Voilà, le moment tant attendu. J'ai cette merveille de guitare dans les mains depuis quelques heures maintenant. Voilà, par mon ami Jordan qui m'a fait le plaisir de me fabriquer cette dinguerie. C'est une configuration un peu particulière, on va dire. C'est pas traditionnel sur la lutherie guitare manouche, on va dire. Jordan déjà a mis beaucoup de lui-même dans cet instrument et dans ses instruments en général. Voilà, donc on est sur un format qui n'est pas un format de Salmer 503, enfin de Salmer classique. C'est un format un peu asymétrique, donc avec un peu plus de, elle est un peu plus large dans le bas de la caisse. Elle a un peu plus de largeur aussi, surtout dans les graves. Il y a un barrage à l'intérieur qui est aussi un peu particulier, qui est un barrage qui n'est pas traditionnel, qui est un barrage qu'a inventé Jordan. Et puis les spécificités, donc on est sur une table en épicé à chenillé qui est, voilà, comme vous pouvez le voir, merveilleuse. Il y a une teinte, voilà, avant le vernis il y a eu une teinte, ce qui permet de faire ressortir vraiment beaucoup les petits caractères et les petits défauts du bois, qu'on appelle défauts, qui deviennent un peu des qualités à mon sens. Chevalet traditionnel en ébène, touche en ébène, plaquage de tête en ébène, bouton de mécanique en ébène, voilà. Et pour le dos, on a ce magnifique noyer avec des petites spécificités que je ne sais pas si on verra, mais voilà, il y a des petits chemins du passage de petits insectes qui ont fait leur petit bonhomme de chemin. Voilà ce qui lui confère encore un peu plus de caractère. On en a ici aussi qui sont vraiment magnifiques. Voilà le bois, voilà le noyer, moi qui est un bois qui me tient vachement à cœur. C'est un bois vraiment avec lequel j'ai grandi. J'ai grandi un peu sous un noyer, on va dire. Ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une guitare avec du noyer. Et ensuite pour le manche, on a un manche en érable ondé avec un renfort en ébène de nouveau. Voilà, c'était un choix aussi pour obtenir un manche assez souple, assez rebondi, contrairement à des manches en acajou qui sont un petit peu plus raides. Voilà, on a aussi la petite spécificité d'avoir un petit chapeau en ébène en haut de la tête, ce qui lui donne encore un peu plus de caractère si elle n'en avait pas déjà suffisamment. Donc c'est basé sur un modèle, l'envie c'était d'avoir un modèle de Jordan qui s'appelait Retour aux Sources, hein, qui était un modèle donc sans marqueterie autour de la rosace et sans filetterie. Et là donc il a changé un tout petit peu son fusil d'épaule et donc il a rajouté des filets simples en ébène à l'intérieur de la rosace et sur les jonctions table éclisse et dos éclisse. Voilà, et c'est une merveille, ça ressemble beaucoup à. Voilà, ça ressemble complètement à Jordan. Hein, c'est vraiment pour ça que je tenais à ce que ce soit lui qui me fabrique ma première guitare de luthier, on va dire. Parce que je l'ai rencontré il y a des années et j'ai toutes les guitares que j'ai pu essayer, que j'ai eues dans les mains, sont toujours des merveilles. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur et je suis bluffé par le boulot et par le son de cette guitare que vous allez entendre si vous écoutez le reste de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup.